Salut les petits loups. Bon ben voilà, je suis devant le contrôle technique automobile. Automobile parce que jusqu'à 3,5 tonnes, ça passe en automobile. Je vais tourner la caméra, attention au doigt. Voilà, ça y est. Donc Coquelicot fait son entrée. J'ai enfermé Cassie dans ma chambre parce que j'ai une porte de séparation, j'ai mis sa litière, donc elle est tranquille. En tout cas, j'ai été accueillie très très sympa. Vraiment très très bien le monsieur. Bon, j'espère que ça va bien se passer parce que vraiment j'angoisse. Bon, bien sûr, juste à côté, Top Garage, si jamais j'ai des problèmes, peut-être qu'ils pourront me réparer si j'ai un souci. Bon, pour l'instant, j'ai le trac comme si j'envoyais mon enfant je sais pas où. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Les niveaux ont été faits. Le monsieur est en train de m'apprendre même des choses. Quel est votre prénom? Moi, c'est Gino. Donc, Gino, qui est au contrôle, qui a sa... c'est votre société. C'est ma société, exactement, oui. Donc, ça va faire 10 ans que je suis installé. Donc, on dit comment le nom? Contrôleur. Non, mais de votre village, Athènes. Athènes, oui. Voilà. Donc, c'est Athènes, en Alsace. Donc, c'est vachement pratique. Il est vraiment placé, je trouve, pratique, parce qu'il est presque à la frontière allemande. Donc, on peut venir ici faire le contrôle et après partir en Allemagne. Donc, très bien à lui de s'être placé par là. Voilà, comme il dit, 10 minutes. Donc là, en plus, il est en train de me regonfler les pneus, qui va très bien. Donc, le monsieur vient de me dire ce que je savais déjà, c'est mes pneus avant. Je vais devoir les changer tranquillement. Donc, moi, j'avais prévu de les changer en Allemagne cet été. Donc, OK. Parce que je veux continuer sur des pneus contact. C'est quand même mieux pour un gros gabarit comme ça. Et puis, en plus, je fais tous les temps. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui gonfle les pneus? Ça, j'adore. Ça pourrait partir tranquillement, en toute sécurité. J'ai enfin vu où est le contrôle de niveau d'huile, grâce au monsieur. En fait, c'est pas un prénom vraiment alsacien, vous avez? Non, je suis d'origine italienne. Oui, avec Gino, oui. C'est oui. Sûr que là, c'est pas... Alors, il manquait beaucoup? Non, c'était bon, hein. Ah. C'était bon, je pensais qu'il manquait un petit peu. Il manquait après, pas, bien. C'est parce qu'il manquait l'enjoliveur dessus. Et oui, ça vous a troublé parce qu'il n'y a pas d'enjoliveur. Exactement. Ouais, je pense. Ou alors on me l'a volé, l'enjoliveur, je sais pas. Comme c'est pas dramatique, bon. Donc les pneus, c'est bon, les niveaux, c'est bon. Essuie-glace, c'était bon. Réserve d'eau d'essuie-glace aussi. Après, je sais pas ce qu'il va continuer à faire le monsieur. Et je suis très curieuse de voir le poids de Coquelicot quand même. Parce que vu que j'ai gagné quand même pas mal de kilos en faisant sauter le lit pavillon, on va voir. Je regarde un petit peu comment c'est fait. Ah, c'est sûr que c'est pas un garage de mécanique. Hein. Donc tout est impeccable. En tout cas, j'ai pas oublié de dire au monsieur de monter son rideau parce qu'il était vraiment très bas. Et là, l'autre côté, pareil. Bah oui, il a tellement l'habitude d'avoir des voitures. Donc là, tu vois, c'est pareil. Là, Coquelicot, il passe pas. Hein. Alors bon, il veut absolument le sortir, lui. En tout cas, je lui dirais, attention encore ici, s'il veut sortir en marche avant. Donc j'ai vu sur les trucs de contrôle qu'il y avait 133 points, un truc comme ça, que le monsieur devait réviser, revoir et tout. Je sais pas si c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est 133 points, monsieur? Ouais. Ouais, voilà. Ça change tout le temps, ça nous veut changer, donc... Ouais, voilà. Alors, on va faire la pollution, on va voir ça. Ah, c'est la pollution, là.
j'ai branché l'appareil dedans là. Non, en fait, il crache du parfum de coquelicot, voilà. C'est bien, fantastique voilà. Ça. Il super. Consomme du jus de coquelicot. De coquelicot. Ils sont contents à Paris. Alors. Au niveau du caractère, c'est conforme, hein. C'est déjà une bonne chose. Hein. Bon. C'est déjà ça. Non, on va voir. Ça risque de sentir un petit peu, moi je vais faire la pollution. Hein. Si monsieur, vous avez déjà bon. Moi je vous en prie. Voilà. Il faudrait pas qu'ils confondent avec le tuyau de vidange d'eau. Hein. Ouais. Bon, ça va faire un peu de bruit. Moi j'aime bien le bruit du moteur, mais bon. On va voir si le monsieur est d'accord. Ah, super. Yeah. Bravo, mon coquelicot. C'est bon. Yeah. On est dans la tolérance. Forme. Parfait. J'ai l'impression d'un toubib qui est en train d'ausculter. En fait, on doit vous appeler docteur, non? Oui, voilà. Voilà. Ça vous permet de voir ce qu'on contrôle en même temps. Oui, mais ça sent bien. Voilà. Donc, comme sur un tableau. Donc là, il y a tous les éléments, tous les points à contrôler. Mmh. La pollution, ça s'envoie directement au bureau devant. D'accord. Juste à l'instant, je reviens. J'ai ça y est, c'est fini. Non, non. Oh non. Moi, je veux bien que ce soit fini. Ah, hein. Là, on est bon. Ça peut pas être de travers. Il s'est mis un peu de travers. Ah voilà. Donc il va être bien droit. En tout cas, le monsieur est très 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 sollicité dans sa société. Vérifie. Vous avez souvent des camping-cars? Oui, 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 on en a beaucoup. On en a beaucoup. J'ai pas envie qu'il se loupe, hein. Donc là, il fait l'arrière. Donc là, il fait l'essieu arrière. Mais bon, il fallait bien faire froid à cause de la fosse. Hein. Donc ce qu'il a fait tout à l'heure devant, maintenant il le fait derrière. Donc premier passage ici. Et de une. Ça va me dire après le poids. D'accord. Voilà, il a le poids 1,8 tonnes à l'arrière. Hein. Donc on verra tout à l'heure entre les deux. Non, non. Un peu sur la droite. Un peu sur la droite.
C'est bien parce qu'en même temps, j'ai l'occasion de voir les feux, moi. Ouais, oh yeah, 3 tonnes 509. Alors là, je suis la meilleure. Vous voyez quand vous dites que j'ai beaucoup de vêtements, tous mes chéris, hein? Vous voyez, hein? Voilà, 3 tonnes 5, je suis dans les clous. Yeah! Ah ouais, puis les petits loups, j'ai déjà plus de 120 kilos en eau. Parce que j'ai la réserve qui est pleine. En plus, oh yeah, trop trop bien. Ouais, j'ai 120 litres. En plus, donc c'est bon. Ah bah tiens, en même temps, comme ça, vous voyez ce que j'ai fait là. La sortie, la de vidange d'eau usée, voilà. J'ai mis un tuyau droit et un coude au bout que j'ai collé, tout simplement. Comme ça, là, je peux mieux viser. Et à droite, le petit kéké, la verticale, c'est la manette. Je suis assez contente de ma réparation. Par contre, il a vraiment besoin de passer au lavage, le pauvre. Bon, le monsieur, il a l'air content pour l'instant de tout ce qui se passe. Là, il vérifie les feux. Ah, bien. Donc, les feux. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand j'ai tous les feux éteints, moi j'ai les petits lampions, là, les deux rampes à gauche et à droite, qui sont automatiquement allumés. Hein. Et moi je les aime bien, ces feux. Voilà, il va aller voir les rotules. Donc rotules, c'est ce que Foxy avait d'abîmé. Donc j'espère que Coquelicot n'a pas sa rotule d'abîmée comme Foxy. Donc le monsieur est descendu dans la fosse, il vérifie. Ça va, c'est pas trop trop sale dessous? Ouais, tout... Ah super! Je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit que l'essieu était propre. Ah oh, super, comme neuf. Oh j'adore, j'adore, j'adore. J'aime bien entendre quand tout est parfait, fuit pas, comme neuf. J'adore. Pour rappel, mon camping-car a 5 ans. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout du bruit tant que tout va bien. Je savais même pas qu'il était capable de faire ça, Coquelicot. Je découvre mon camping-car sous un autre jour. Vraiment. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Oh là là. On vérifie les jeux et puis les roulements.
Tant que vous me dites que tout va bien. Voilà, c'est bon. N'est-ce pas, docteur? Exactement. Attention, monsieur, si je vous filme, vous passez à YouTube. Vous êtes d'accord? Moi, ça ne me pose aucun souci. Hein. Mais je vous préviens quand même. Je suis obligée quand même, par respect. Bon, finalement, Fiat Ducato, c'est pas si mauvais que ça. Ah, c'est bon, franchement, c'est bien. Parce que tout le monde me dit, ouais, Fiat Ducato, la merde. Ils sont bien. Ah, encore à l'arrière, les jeux de roulement. Bon. Mais là, on est bien. D'accord. On dit, on est bien. Et ça, j'aime. Donc là, maintenant, monsieur, la regardez derrière. Il a fait le bon. Ça y est, la visite est finie. Tout s'est bien passé. Coquelicot va bien. Il m'a dit quelques petites choses dont je vais me souvenir. Mais vraiment des points de détail, quoi. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, pour rappel, vous vous souvenez, je suis en Alsace, je suis à Hatten, ça doit se prononcer comme ça à peu près, au contrôle technique automobile, donc camping-car aussi, camping-car, attention, jusqu'à 3,5 tonnes maximum, et la contre-visite visuelle est offerte, je précise, parce que quand ils écrivent contre-visite offerte, oui, mais c'est la contre-visite visuelle, hein. Il doit contrôler simplement que tout a été fait. Donc voilà, le monsieur est parti, il me ramène Coquelicot. Voilà, il me ramène Coquelicot et Cassie qui est dedans. Et maintenant, ben, non, je peux pas partir tout de suite, il faut que je paye quand même. Voilà, et donc si jamais vous venez, ben, c'est ce monsieur que vous aurez, le patron du contrôle. Merci. Voilà. Merci bien. Ça y est, l'opération contrôle technique est terminée, ça s'est bien passé. Je suis vraiment très très contente, en plus très sympa comme vous avez pu le voir. Et il m'a l'air efficace et surtout il m'a appris beaucoup beaucoup de choses. Donc maintenant je sais où trouver les niveaux, etc. etc. Bon, autre opération, le gaz. Alors, comme tu le sais, Chrissa a réceptionné des adaptateurs. Donc maintenant, Carrefour Contact, qui est juste en face du contrôle technique, pour trouver une bouteille d'Antargaz en composite. Oui, il y a du butane dedans, mais nous, après, on mettra du propane ou du GPL, suivant ce qu'on va trouver, et grâce aux adaptateurs qu'on a dû recevoir. Donc, la bouteille à gauche, bah, tu la connais. C'est la bouteille de GPL classique. Et voilà la bouteille Antargaz. Donc, il l'appelle Calypso. Et on peut la remplir à 10 kg. Donc, pour l'instant, c'est du butane. Pas grave du tout, puisqu'il fait très chaud. Il n'y a pas de souci. Et après, ben, je mettrai l'adaptateur pour m'en servir. Bon, maintenant, opération Lidl. Ça y est, j'ai enfin franchi la frontière. Je suis côté allemand. Le premier Lidl qui m'est tombé sous la main, il est parfait. Donc j'ai fait quelques courses, il manquait vraiment des produits frais. Et là maintenant, ben, je vais reprendre le volant pour rejoindre tranquillement Chrissa et découvrir l'aire de camping-car où elle s'est posée. Ça y est, Lidl, c'est fini, tout est fini, la route est finie. Donc ça y est les chéris, vous avez compris, qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben oui. Et voilà. Allez. Chris a retrouvé en pays étranger, en Allemagne. Oui. Avec Domino et Foxy. Par contre, ça fait du bien de faire les courses à Lidl, hein, tout de suite. Hein. Ouais. Waouh. Voilà, on est bien. Non, mais c'est vrai qu'on a de la place, là. Hein. Super bien. Bon, j'irai explorer tout à l'heure, plus tard. Là, j'ai pas envie. Tout au fond, là, il y a évacuation eau grise et ouais. Robinet d'eau. J'ai vu vite fait en passant. Ouais. Je regarderai ça demain. Là, ça va. Il est 19h. T'as préparé l'apéro? Bien évidemment. Ah, bon. Allez, on va les chéris. Au revoir.